retour là où tout a commencé, ouais. Ça y est, le centre de formation, les souvenirs. Là, c'est les vrais souvenirs, là, c'est les frissons. Là. Ou aux toilettes, j'étais par là, à ma hauteur. Ouais. Du coup, j'étais un peu comme ça. Il a un peu toutes les générations. Waouh. Tu reconnais celle-là? Oh là là. Ça, je suis jeune. Putain, même Salimo, là, je l'ai revu, il a changé. Quentin, Adam, Mams, ouais. Tarad, il faut que je le voir d'ailleurs. Et oui, le aussi. Romain, c'est le local, hein. Tu vas le retrouver, Romain. Ouais. Oh là là. On la garde la photo ou pas? Ouais, c'est là, on peut la garder. Ah, tu veux la canne, tu veux... Non, la canne, je vous la laisse. Ah, t'as une belle coupe, hein? Ouais, mais ils nous avaient pris le matin, après le petit déj, un truc comme ça, la veille aussi. Oh là là. Oh, mais la photo, là, c'est scandaleux ce que j'ai fait, là. Genre, il y en a une encore un peu plus jeune, hein. Ah, trouvé. Putain, j'avais pas vu celle-là, mais du coup, celle-là, c'est l'année où je suis arrivé, du coup. Là, c'est l'année des 16 ans, plus 7. C'est sympa de se remémorer un peu ces générations-là. C'est clair. Et puis de revoir aussi les parcours de certains garçons. Hein. Là, Tu les avais pas revus ces photos? Du tout, là, c'est des sacrées photos quand même. C'est un sacré moment, là. Voilà. Ah ouais, là, c'est sympa de revoir tout ça. C'est sympa de revoir tout ça. Ça fait bizarre. Ouais. On était bien quand même. Mais du coup, ah oui, vous avez changé les volets aussi. Ah, évolution, hein. Faut se moderniser. Parce que c'est vrai que nous on avait juste un rideau et puis c'était. On faisait un peu avec les moyens du bord, c'était marrant. On accrochait les rideaux sur les côtés, on fermait pour ça pas que. Pas ouais, voilà, ah, ça. Depuis, tu vois, on a pris en compte ça et ça a évolué. Ouais, super. Ah. Patrice, ça va? Salut, Jérémy. La forme. Et toi, t'as reconnu ta chambre? Ah oui. Tu vois qu'elle a pas changé? Mais c'était cette chambre, c'était cette chambre qu'on montrait. Ah oui, parce qu'elle était tout le temps bien rangée. Propre. C'est vrai. Tout le temps bien rangée, ma chambre. C'est vrai. C'est vrai. T'étais pas revenu au centre depuis... Non, je crois pas. Non, c'est sûr que non, je suis pas revenu. Là, moi qui montre pas beaucoup mes émotions, là, je les ai bien montrées. C'est vrai qu'il y a eu des souvenirs, des bons souvenirs qui sont revenus directement. Bah, quand je suis passé la porte le long du mur, c'était vraiment le matin qu'on passait. Non, franchement, c'est des sacrées émotions et les photos et tout ça. Non, franchement, c'est top d'être venu ici et là où tout a commencé. Mais poser comme ça, là, ça fait quelque chose quand même. C'est bizarre. Je suis arrivé gamin, c'est là où j'ai grandi, j'ai appris des choses. De vivre en communauté avec tous les autres joueurs. Y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ici et c'est vrai que ces choses-là, je les oublierai jamais. Je suis parti, j'ai pas lâché, j'ai eu un parcours de haut et de bas et je reviens ici. Un peu comme tout le monde dit, par la grande porte. Quand je l'ai appris, il a fallu que je retombe un petit peu sur terre et que je me dise les stacks. Donc j'ai eu un flashback qui s'est passé en même pas 30 secondes et je me suis dit pourquoi pas retenter une aventure ici. Son discours, quand j'ai pu l'avoir, son discours est passé vraiment direct. Et c'est vrai que ça a fait beaucoup sur mon choix. Très heureux de retrouver Jérémy. C'est un garçon qui est arrivé chez nous très jeune, qui a suivi le parcours de formation. C'est un garçon qui a toujours eu une très bonne image, nous, ici, à la formation. Un garçon très sérieux, travailleur. Donc, voilà, une grande satisfaction de le voir aujourd'hui, avec son sourire, arriver au club,
apporter son, voilà, sa joie de vivre et son sérieux. Quand je suis arrivé, c'est la première chose qu'on m'a dit, bah, tu feras partie des rares joueurs étant formé au club et revenir par la grande porte. Et bah, c'est vrai que ça fait plaisir ce genre de choses, de faire partie de ce genre de joueurs-là, donc tant mieux. Et puis maintenant, j'espère faire le plus de matchs possible et puis marquer un but ou des buts.